toutes et à tous. C'est un épisode peu commun, mais un épisode qui correspond au projet du Club Excellence. C'est un épisode où on va vous apporter des réponses sur comment vous développer, comment performer en 2023. Et puis un sujet qu'on n'aborde pas assez, c'est comment on peut être un bon gestionnaire et faire des économies en 2023. Je pense que c'est un élément clé, c'est un élément qui parle à nos agences, on leur parle tous les jours. On a eu une bonne idée chez Vitry Media. Donc j'accueille aujourd'hui Marc. Marc, je travaille avec Marc, qui est notre directeur produits et services donc chez Vitry Media. Tu es en charge de beaucoup de services, mais tu vas nous parler en particulier d'un service qu'on a lancé cette année, qui est le service Visible Ads. Alors voilà, parle-nous de ce service qui va apporter une réponse à nos clients. Qui va être très intéressant pour nos clients. Bon, comme tu le sais, on a chez Vitry Media un parc client très important. On a à peu près 15 000 clients, dont 7 000 en digital, oui. Ce qui représente un parc de l'ordre de 10 000 écrans installés. Oui. Ce parc installé intéresse énormément les annonceurs nationaux qui rêvent de diffuser leur campagne sur des écrans qui sont en général très bien placés, puisque les agences immobilières sont bien placées, avec du passage piéton ou du passage véhicule. Oui. Donc on a eu l'idée de mettre en place un nouveau service qui s'adressera aux agences qui le souhaitent et qui accorderont une partie de leur temps de diffusion sur leurs écrans, moyennant une rémunération. Oui. Donc en gros… C'est une bonne idée ça. Le but c'est d'essayer d'apporter à nos clients un peu de réconfort financier en essayant d'alléger leurs charges. Oui. Et ça a pour but aussi quasiment d'essayer d'amortir tout ou partie de leurs frais d'installation vitrine lié à Vitry Media, en tout cas en gros. Donc c'est vertueux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, au travers de ce nouveau service, faire des économies, mais gagner de l'argent. On va pouvoir gagner de l'argent. Alors c'est un service qui va être totalement gratuit pour les clients, bien évidemment. Donc c'est gratuit. Voilà. Et les clients qui le souhaitent, en fait, verront sur leur écran passer des communications. C'est en gros une communication toutes les minutes qui passe. Ce sont des communications de 10 secondes d'annonceurs nationaux. Alors ça peut être du voyage, ça peut être du média, ça peut être de l'événement, ça peut être Netflix. TF1. En tout cas, ce n'est pas l'immobilier. Alors ce n'est pas l'immobilier, bien évidemment. Voilà, c'est pas du contenu politique, c'est pas du. C'est que du contenu propre d'annonceurs nationaux. Et donc, en contrepartie du temps d'affichage qu'ils nous accordent, c'est une pub de 10 secondes par minute. Voilà. Bon. Certains peuvent aller jusqu'à 2 ou 3, selon le choix des clients. Et ça permet quoi? De gagner plus d'argent. De gagner plus d'argent. Plus on en met, plus on gagne. Puisque le client est rémunéré par campagne hebdomadaire passée sur ses écrans. D'accord, c'est une campagne hebdomadaire. Si une campagne hebdomadaire va être rémunérée entre 30 et 45 euros pour le client, pourquoi 30 à 45 euros? Ça dépend de la taille des écrans installés en vitrine. Okay. Si le client choisit de passer deux campagnes hebdomadaires et qu'il y a des annonces pour en passer deux, il sera rémunéré deux fois 30 ou 45 euros. Donc ça va vite. Ça peut aller très vite. Donc ça fait combien finalement? Imagine, moi j'ai une agence immobilière. Ouais. Joseph m'a appelé, il m'a mis un très bel écran 49 pouces, voire un ultra slim, mais toujours 49 pouces. Ouais. Ça peut être, c'est un format portrait, on parlera après des formats. À quoi je peux prétendre avec une agence avec un écran 49 pouces? C'est le plus petit écran qu'on a chez nous. L'écran 49 pouces, si une semaine on a une pub qui passe, l'agence sera rémunérée 30 euros pour la semaine. D'accord. S'il y a une pub qui passe chaque semaine pendant un mois, c'est en gros 4 semaines et demie, ça fera 140 euros dans le mois. Ça paye l'installation. Ça paye tout. Ça paye plus que l'installation. Parce que là, on a l'impression que ça paye juste l'installation. L'installation et le service. Ça paye tout ce que ça coûte à l'agence immobilière. Voilà. Ça paye l'abonnement, ça paye une location éventuelle, ça paye un achat s'il est amorti. En tout cas, ça paye l'intégralité de l'investissement vitrine. Et si le client décide de passer deux pubs par semaine, par semaine, et qu'il y en a, puisqu'en fait, juste un petit aparté, ce n'est pas nous qui décidons combien de pubs passent sur les écrans. Ce sont les annonceurs qui décident sur quels écrans ils vont. Une régie qui va s'occuper de la diffusion. Voilà. Donc nous, on ne sait pas combien de pubs vont passer sur tel ou tel écran. Ça ne dépend pas de nous. Mais le client qui aurait un écran 49 pouces, le même exemple que tout à l'heure, et qui déciderait de passer deux pubs par semaine, s'il y a de quoi passer deux pubs par semaine, il ne gagnerait plus 140 euros, mais 280. 280 euros. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc c'est très intéressant. Ça ne demande à peu près rien aux clients, puisque chez nous, d'un point de vue technique, tout se fait à distance. Tout se fait par nos services, donc on prend en charge la diffusion. Exactement. Et donc, soit il y a de la pub qui passe, enfin des campagnes qui passent chez le client et il sera rémunéré, soit il n'y a pas de campagne qui passe une semaine donnée, ou etc., ça ne coûte rien aux clients. Oui, il y a une saisonnalité, disons-le, il n'y a pas de problème à le cacher. Il est possible qu'au mois d'août, ce ne soit pas le meilleur mois de l'année. Ce ne sera pas le meilleur mois de l'année, c'est sûr. Mais encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des mois de l'année. Et puis, on aura la possibilité, encore une fois, de passer une ou deux ou trois campagnes pour se rattraper largement. En tout cas, c'est un moyen qui ne coûte rien à l'agence, qui est gratuit,
qui est vertueux puisqu'on va diffuser sur une toute petite partie de l'affichage un contenu média, on est bien d'accord, qui rapporte de l'argent à l'agence. C'est les campagnes de 7 jours. Donc imaginons, même si on n'aime pas Netflix, on peut très bien dire d'ailleurs, bah, je ne prends pas la campagne. Alors, on peut le dire de temps en temps, ce n'est pas le but, parce qu'en fait, ça fait partie d'un plan média qui est géré à 3-4 mois. Ça ne dure que 7 jours. Ça ne dure que 7 jours. On peut ne pas aimer Netflix, mais c'est que 7 jours. Voilà. Bon, le côté positif de Netflix, mais je veux qu'on en parle, c'est que les contenus sont très bons. D'accord, et l'intérêt d'une vitrine, disons-le quand même, c'est de passer des bons contenus. Ce qu'il faut, c'est intéresser, interpeller le passant. Il faut que le visuel du contenu soit attrayant. Exactement. Et Netflix, ils ont du très bon contenu. Mais tu parles de Netflix, mais c'est un exemple parmi énormément d'annonceurs. On en citer d'autres. Ouais. Voilà. En tout cas, ce sont des bons annonceurs qui ont des belles campagnes avec du bon contenu et qui, en plus, se proposent de rémunérer l'agence pour la possibilité d'afficher en vitrine. Voilà. Donc, on a vraiment essayé d'apporter un service nouveau à nos clients qui ne leur coûte rien, qui leur rapporte de l'argent quand il y a de la pub qui passe. Alors, pour l'instant, on va démarrer sur... On démarre quand ? Quel mois ? On démarre en septembre. Septembre. Donc, alors, ça démarre en septembre. Pour les clients qui signent maintenant, parce qu'en fait... Oui, il y a un petit délai pour passer la communication auprès des annonceurs. Pourquoi ? Parce que, toujours ce que je disais tout à l'heure, les annonceurs ont des plans médias qui sont à 3-4 mois, donc ça ne se décide pas du jour au lendemain. Voilà. Donc, les gens qui signent maintenant pourront commencer à avoir des pubs à partir de septembre. Oui. Voilà, donc ça, c'est aussi simple que ça. Il faut signer dès maintenant. On signe un petit contrat. On signe un contrat, qui reprend tous les éléments que je viens de dire. Ce sont des contrats de 1 an. Alors, les gens nous posent la question, pourquoi des contrats de 1 an ? Ben justement, par rapport au fait que les annonceurs ont des plans de médias qui sont sur 3-4 mois ou 6 mois. Ah oui. Donc, on est obligé de leur donner de la visibilité. Et donc, on peut sortir au bout d'un an ? On sort au bout d'un an ou on revient. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un nouveau service qui est... vraiment intéressant dans la période que l'on vit, parce que ça permet d'amortir et de financer l'ensemble de la communication vitrine, voire de gagner de l'argent. Exactement. Il y a des petits détails à rajouter. Il y a un truc super important. Important. C'est qu'on est les seuls à pouvoir proposer ça. On est les seuls. Alors pourquoi on est les seuls ? Pourquoi on est les seuls ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on intéresse des annonceurs aujourd'hui ? C'est qu'on a un parc installé de 10 000 écrans. Alors je ne dis pas que nos 10 000 clients vont dire oui à l'arrêt à cette solution. Mais en tout cas, on est les seuls à pouvoir proposer ça. Et si on a 500, 1 000 ou 2 000 écrans installés... C'est une force. Effectivement, ces clients qui nous ont fait confiance, on a 10 000 écrans, c'est énorme. C'est d'ailleurs le premier réseau vitrine de France en LCD. En LCD, oui, toute activité. Je pense que sur l'Europe, il n'y a pas mieux d'ailleurs. Mais c'est donc important de le souligner. Donc c'est vraiment une chance, parce que grâce à nos clients qu'on en est là et qu'on peut proposer ce service. Donc c'est grâce à eux, grâce à nos clients. Et c'est pour ça qu'on les rémunère aussi. Et c'est pour ça qu'on les rémunère. Comment on fait pour s'inscrire, Marc ? Eh bien, pour s'inscrire, alors normalement, tout le monde a reçu soit des petits liens, soit des pubs, etc. Il y a juste en fait un clic à faire. On arrive sur une page du site qui reprend tous les éléments. On a ce qu'on appelle une demande d'éligibilité. Ouais. En gros, paf, on remplit le formulaire. Pourquoi éligibilité ? Parce qu'on va commencer d'abord en septembre sur Paris et les départements limitrophes, donc 92, 93, 94, et les 10 plus grandes villes de France. Après, on va élargir la zone. On va étendre, bien sûr. Donc voilà. Donc les clients qui seront éligibles au départ, dès qu'ils ont rempli leur formulaire, reçoivent un contrat en signature électronique. Dès qu'ils sont signés, ils sont transmis à nos Effectivement, les autres, il y a quelques secteurs qui le seront un peu plus tard, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Enfin, je pense qu'ils pourront s'inscrire dès maintenant. Et dès que le secteur est éligible, parce que la densification de la publicité est suffisante, ils pourront bénéficier effectivement de cette rémunération. Voilà. On est bien d'accord. Dernier point, je pense que c'est important. Donc, il suffit d'aller sur le site Vitrine Média, vitrinemedia.com. C'est simple. On clique sur Visible Ads. Vos écrans vous rapportent de l'argent. Et vous pouvez remplir un formulaire très simple. Et vous êtes abonné. Et vous pourrez toucher rapidement une rémunération pour vos écrans. C'est beau quand même. Exactement. Merci Marc d'avoir été avec moi. Je t'en prie Thibault. Merci. Et je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous.